La présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid détient le deuxième record de views mondial avec 3,2 milliards, dépassant la présentation d'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo avec 3 milliards de views dans le monde. Léo Messi a le plus grand nombre de views au monde lors de la présentation des derniers amis avec 3,5 milliards de views. De l'autre côté, madame, messieurs, la mini Yamal, l'international espagnol, a choisi le numéro 19 pour la saison prochaine. Il a opté pour le même numéro qu'il a porté en équipe nationale lors de l'Euro et le club officialisera dans les prochaines heures. Et Léo Messi, l'international argentin champion du monde, il a déclaré « J'ai tout gagné dans le football, il ne reste plus rien. » C'est incroyable. Madame, messieurs, m'invitez au Chita. Je prends le capable de plus de détails et partager avec vous l'autre information. Madame, messieurs, bonsoir pour nous tous. Mon cap parler à ce chacun Joseph. Déjà, me dire bienvenue pour une nouvelle sortie. Mais avant de partager information avec vous, m'a demandé s'il vous plaît, encouragez le travail là pendant vous pas abonné avec page là. Si vous pouvez faire ça, activez la cloche notification, mettez-le sous tout pour pas rater aucune vidéo. Quittez un like en bas vidéo ça. Dis ça ou pensez dans l'espace commentaire là vraiment important et partagez vidéo ça dans tout groupe et dans l'autre page. Madame, messieurs, n'a pas qu'on pose. N'a pas retourné pour développement information yo. Madame, messieurs, nous retournons après pause là. Donc, nous remercions pour patience ou avec fidélité. Très rapidement, nous sommes capables d'entrer dans le détail information. La présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid détient le deuxième record de views mondial avec 3,2 milliards, dépassant la présentation d'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo avec 3 milliards de views dans le monde. Léo Messi, l'international argentin champion du monde, a le plus grand nombre de views au monde lors de la présentation des derniers amis, avec 3,5 milliards de views. Madame, messieurs, Kylian Mbappé ne se va pas se faire opérer. D'après première analyse médecine madrilène, il y a suggéré que ne Kylian Mbappé pas prendre besoin pour être capable d'opérer, même s'il gagne plusieurs contrôles réguliers. Son retour de vacances est attendu le 8 août. Kylian Mbappé, madame, messieurs, il n'est pas jouer face à Milan, face à Barcelone et face à l'équipe de Chelsea. Plus gros plan que l'équipe Real Madrid l'a gagné, madame, messieurs, c'est pour Kylian Mbappé toujours prêt pour la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta le 14 août. De l'autre côté, madame, messieurs, la mini Yamal, l'international espagnol, il a choisi le numéro 19 pour la saison prochaine. Il a opté pour le même numéro qu'il a porté en équipe nationale lors de l'Euro et le club l'officialisera dans les prochaines heures. Léo Messi, l'international argentin, champion du monde et Copa América, il a déclaré « J'ai tout gagné dans le football, il ne reste plus rien ». C'est incroyable. Madame, messieurs, nous traversons dans le pays Angleterre. Lenny Yoro va signer avec Manchester United pour 62 millions d'euros. Le jeune défenseur français 18 ans va passer sa visite médicale avant de finaliser son contrat. Et madame, messieurs, le Paris Saint-Germain a accepté l'invitation de la FIFA pour participer à la Coupe du Monde des clubs pour la saison 2025-2026. Samuel Eto'o, international camerounais, pas bon côté pâle, souhaitait organiser un match amical entre sélection camerounaise là et sélection brésilienne là à Yaoundé. Cela s'inscrirait dans le cadre de la présentation de la Coupe du Monde 2026 et vise à ramener un géant du football sur le continent. Et madame, messieurs, le Paris Saint-Germain a refusé une offre de 70 millions d'euros de la part d'un club anglais qui souhaitait s'offrir les services de Kang In-Lee. Les dirigeants parisiens souhaitent conserver le joueur sud-coréen au tête de 3 buts et 4 passes décisives
lors de la saison 2023-2024 en Ligue 1. À Dagoulet, madame, messieurs, International Sucla, rive refusé de recevoir un montre Rolex, un cadeau du président de la Fédération Turque de football. Raison pour laquelle Adagoulé l'a refusé, parce qu'il pense qu'il ne la mérite pas seul. Il considère ça, qu'il pourrait être capable de dévaloriser l'autre joyau pour lui-même. Il était pensé que c'était à lui-même président qui voulait offrir superbe montre précieuse là. Il a réclamé indirectement pour ses coéquipiers. Madame, messieurs, Alvaro Morata international espagnol là pour aller signer une équipe Milan ACA pour une affaire de 13 millions d'euros. Le capitaine de la Roya va rejoindre les Rossoneri jusqu'en 2028 et succéder à Olivier Giroud à la pointe de l'attaque milanaise. Par bon côté équipe barcelonaise là, madame, messieurs, Lothar Matthäus espérait que Barcelone pour être capable de recruter Nico Williams. Mon ami Hansi Flick en rêve. Sa clause libératoire n'est que de 60 millions d'euros et sa valeur marchande réelle est supérieure à 100 millions d'euros. La dernière information, madame, messieurs, voici la couverture officielle de FC 25. Jude Bellingham est cette année la vedette choisie. Merci, madame, messieurs, parce que vous avez pris le temps pour te suivre, rubrique passeport. Mon qui dépote information pour vous, c'est des amis au chacun Joseph. À la prochaine pour une autre.